Esav, Kitsaï, Bepi, Rivka, Oevet et Yaakov. Donc la Torah nous amène ici que Rivka et Israël, ils ont deux enfants, Esav et Yaakov. La Torah nous montre que Esav, Kavechol, c'est le Racha qui est sorti du ventre de sa mère, et Yaakov, c'est le Tzadik qui est sorti du ventre de sa mère. Et malgré tout, la Torah nous dit, va Yaav, Israël et Esav. Israël aimait Esav. Bah, oh, il ne faut pas s'imaginer que, malgré tout ce qu'on dit, que Israël ne voyait pas, il était aveugle, vous voulez, qu'il avait l'impression qu'il avait devant lui Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'Israq n'est pas dupe. Israq sait très bien que Esav n'a rien à voir avec Yaakov. Il sait très bien que ce sont deux minimes shonim. Israq, c'est un garçon de Sadé, des rues, qui traîne à droite, à gauche, au roulet. Il est très intelligent, c'est vrai. Mais bon, il n'est pas comme Yaakov. Yaakov, c'est Ishtam, Yoshev, Walim. Mais Rivka, elle aimait Yaakov. Maintenant, cette différence-là que les deux faisaient entre l'un et l'autre, c'est pas un stam comme ça, des régachos de Ben Adam. Qu'on va dire, comme, je sais pas moi, comme on peut trouver dans les familles, moi j'aime bien le grand, moi j'aime bien la petite, moi j'aime bien celui-là, moi j'aime bien celui-là. On ne parle pas de ça ici. C'est pas, on parle de Avotenoak Doshim. Avotenoak Doshim, c'est tout des chikoulim à pied Ashkafa. C'est tout par rapport à l'Ashkafa. Donc ici, il y a une mahlouquette dans l'Ashkafa. Une mahlouquette dans l'Ashkafa entre Israq et Rifa. Israq a vu nous Kavirchol, il aime Esav, parce que Esav et Nechenemi représentent tout ce qui doit être la Vodat Hashem de l'homme dans ce monde. Esav. Alors que Rivka, elle aime Yaakov, parce qu'il représente les Maasé, ouais, toute la comment dire, le massaf dans lequel un homme doit se mettre, pour ne pas se mettre à risque, pour ne pas se mettre dans le risque. Donc en fait, on a deux Inyanim ici, deux Inyanim. On a d'un côté Esav, qui est le bonhomme qui est confronté au Yesara, qui est confronté à une bataille qu'il a avec son Yesara, qui représente tout le Sourmera. Et Yaakov qui est tout le Asetov, mais le Asetov sans Sourmera. Il n'y a pas un sourmera chez Yaakov Avinu. Chez lui, c'est que du Asetov. C'est un bonhomme, Ishtam, Yoshev ou Alim, comme la Torah le dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chez lui de tentation, d'envie, d'aller en boîte de nuit, d'aller au cinéma, d'aller taper un joint ou d'être comme ça. Ça n'existe pas chez lui. Lui, c'est Torah, 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 tu m'attends au soir. Et c'est là-bas qu'il kiffe. Il n'a même pas de Yessara, Bichlal, de vouloir sortir dehors, d'aller se balader dans les champs. Il n'est pas là-bas, Bichlal. Ishtam, Yoshev ou Alim. Et Sam, non. Et Sam, c'est Ish Sadé. C'est un homme des champs, c'est un homme d'action, c'est un homme de la vie, etc. Donc lui, il est confronté à ça. Et Israël, qu'il aime ça. Les Chorans, la question, elle se pose comme ça. Bishlamas, c'était Abraham Avinu, qu'il est Baal Chesed. Je comprends qu'il aimait ça parce qu'il est Baal Chesed. Alors, son Chesed, son côté Chesed, l'amène Kavirchol à aimer ça. Parce que quand on est Chesed, Kavirchol, on ouvre l'esprit et on veut aider tout le monde. Ça aurait été Abraham Avinu. Mais Israël, c'est Mitat Adin. Midat Adin, ça veut dire quoi, Rabodai? Ça veut dire que c'est Rabbi Biya, qui nous sait le din, qui nous sait Choter et Taroche. C'est je te coupe la tête. C'est tu vas un peu trop à droite, un peu trop à gauche, je te coupe la tête. C'est le din. C'est-à-dire c'est le bonhomme rigoureux, Israq Avinu, celui qui ne fait pas de pcharot, celui qui n'est pas prêt à négocier avec le Sahara en quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est difficile, cachez-moi. Comment alors on peut s'imaginer que Israq, qui est le dernier qu'on aurait pu croire, qui va aimer Esav? Au contraire, il va l'avoir dans le pif, Esav, il va le haïr, non? C'est bizarre, la Torah nous dit, « Vayehav Israq et Esav ». Qu'est-ce qu'il aime chez Esav? Alors Esav, c'est le contraire du din. C'est celui qui est confronté au Etzara, qui se bat constamment en bataille. Les Maaseh, c'est Adin, comme c'est dit le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est Midat Adin. Toute la Midat Adin, elle est basée sur quoi, Rabotai? Sur le Sur Mera. C'est ça, Midat Adin. Le Asetov, ça n'a rien à voir. Midat Adin, c'est Mama, c'est Sur Mera. Soumla, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'es pas confronté à une bataille, tu ne peux pas arriver à l'amour d'Hachem. La Torah te dit, comment tu arrives à aimer Hachem? Elle n'a pas dit simplement la Torah, aime Hachem. Pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu. Parce qu'il est bon, il est gentil, il nous fait des tovot, il nous fait des inanim, on a karatatov. Il nous rend service, il nous guérit, il nous refait cholim, il nous fait farnes otanu, fruleh shomer alenu. Donc il y a des arguments pour dire qu'il faut aimer Hachem. Si c'est comme ça, pourquoi tu prends l'ordre d'aimer Hachem sur le terrain de Sur Mera? C'est comme si maintenant je te dis comme ça, aime ton père, mais en te battant contre ça et ça, moi j'aime mon père parce qu'il est gentil, c'est tout. Donc je joue au foot avec lui, on tape des conversations, on kiffe, on se balade, on est heureux, on est bien ensemble, on a un bon rapport. Voilà pourquoi j'aime mon père. On dit non, c'est pas de l'amour ça.
Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est ça racole des rigachotes. Tu as des rigachotes que quand une chose te fait du bien, tu appelles ça j'aime. J'aime ce qui est margichotre, qui est chez mes rigachotres. J'aime ce qui est mes rigachotres. Quand tu manges une bonne pêche, c'est mes rigachotres, tu l'aimes la pêche. Quand tu regardes un beau film, il est mes rigachotres, tu aimes ce film. Tu écoutes une belle musique, c'est mes rigachotres, tu aimes cette musique. C'est pas ça, c'est pas le vrai amour, ça. Ça, c'est mes rigachotres. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour, le vrai amour? L'amour, ça veut dire, c'est en vérité, comment dire, combien je suis prêt à m'investir pour cette chose-là. Combien je suis prêt à donner tout ce que j'ai de moi à cette chose-là. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est le don de soi à l'autre. C'est pas ce que je prends de l'autre. Ce que tu prends de l'autre, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, c'est des rigachotes, ça me fait kiffer. Et nous, on appelle ça l'amour dans la société. C'est comme ça, l'amour. Un homme, quand il dit qu'il aime une femme, parce qu'elle lui plaît. Et le jour où elle lui plaît plus, ben, il n'aime plus. C'est comme les chaussettes. C'est changé, on prend une autre chaussette. C'est pas de l'amour, ça. C'est ça, rigole. Il kiffe. Il a une tête qui l'a fait kiffer. Il a une bonne tête. Elle est mignonne, etc. Et demain, il n'aime plus. Mais c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est combien cette personne-là, d'accord, me pousse à faire pour elle. Combien me donne envie de bosser pour elle. Et plus je vais me tuer pour elle, et plus je vais l'aimer. Pourquoi la maman dit comme ça? Comment ça se fait qu'une maman, elle aime son bébé? Vous allez me dire, ben c'est normal, elle l'a amené au monde. Ouais, mais si tu regardes d'après le barème de l'amour de la société, elle devrait le haïr. C'est pourquoi? Elle l'a fait souffrir, elle allait mourir. C'est marqué qu'une femme, au moment de l'accouchement, elle est en danger de mort. C'est-à-dire qu'elle peut mourir. Et on la prévient, on lui fait signer un papier comme de dédouanement, pour déresponsabiliser. Ouais, ça vient des examens. On ne peut pas savoir, donc on ne peut pas responsabiliser. Vous pouvez mourir, madame. Il dit, attends, quoi, je vais amener un bébé, je vais mourir. Ben oui, c'est comme ça, c'est un NES. Tu amènes un bébé, tu sors vivant de là-bas, c'est un NES. Tu entends un peu, regardez déjà l'angoisse que c'est. Maintenant, elle l'a amené au monde. Bon, elle est contente, elle l'a amené au monde. Mais maintenant, ce bébé, il ne la laisse pas dormir. Il ne la laisse pas dormir pendant des mois, 3, 4 mois, 5 mois, les nuits blanches. Elle sort avec des yeux faits devant tous, comme ça. Elle ne dort pas, épuisée, fatiguée. Elle n'en peut plus. Elle perd du poids. Elle n'arrive plus à manger, elle n'arrive plus à dormir, vous voulez. Et il est marre. C'est ce bébé-là, quand il est plein de halia ou quoi, etc., ouais, personne ne le veut. On ne le veut pas. On le voit chez sa mère. Donnez-le à sa mère, donnez-le vite à sa mère. Vite. Hir, il pue. Et on le nettoie. Et dès qu'on le nettoie, on lui récupère. Donc on ne le laisse même pas à sa mère. Tout le monde le veut, on le prend, la mère. Donc elle profite. Je dirais que changer, c'est les autres qui profitent de lui. Elle ne profite pas. Elle, par contre, il va pleurer dans une heure ou deux. Vite, c'est toi, mobilise un homme, vite, il est en train de pleurer là. Donc nous, on se sauve tous. Il faut venir. Et quand il est rassasié, il est bien, il fait des sourires, tout le monde vient. Et ma mère, la pauvre, elle est obligée de maintenant faire le ménage, elle est obligée de faire le repas, etc. Mais qui te sourd? Elle n'a aucun talent de ce bébé. Si je regarde les par rapport au kiff. Comment c'est qu'elle aime son bébé? Ma mère, elle dit pourquoi? Parce qu'il y a un mail à l'eau. Parce qu'il y a un mail pour lui. Et le mal qu'elle fait pour lui, fait qu'elle aime, elle, plus que tout le monde au monde. Plus que son père. Plus que ses frères, plus que ses sœurs, plus que tout le monde. Parce qu'elle est Amel. Alors que les autres ne sont pas Amel. Les autres, c'est du kiff. Tu sais, qui a ses petits sourires comme ça, le petit bébé, etc. Vous connaissez, ces petits trucs, il est mignon, mais c'est pas ça qui donne de l'amour. Donc l'amour, il est en fonction du Amal qu'on a là-bas, de l'effort qu'on fait pour la chose. Plus tu vas t'efforcer pour la chose, plus tu auras de l'amour pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient amoureux de sa Torah quand il a Amel pour sa Torah? Un bon homme qui étudie la Torah, mais qui n'est pas Amel pour son étude, il n'arrivera pas à l'aimer la Torah. Il va la kiffer, mais pas l'aimer. C'est pas pareil, kiffer, aimer. Kiffer, c'est-à-dire que tu vas avoir des sujets intéressants, des sujets prenants, captivants. Il y a des sujets intéressants dans toi, des sujets captivants, comme ça. Ça te fait kiffer, mais ça ne t'amène pas à te sacrifier pour elle. Tu ne vas pas te sacrifier pour un film. Tu ne vas pas te sacrifier pour une musique. Elle est belle, cette musique. Je vais me sacrifier pour ça. Je vais faire, mais c'est au nefesh. Mais tu es fou, quoi. Tu meurs, lui, la musique. Quand par là, attends, moi, je vais me tuer pour la musique, mais tu kiffes. Je kiffe, ça va, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne vais pas me tuer pour ça. D'arriver à se tuer pour une chose, comme une mère est prête à mourir pour son bébé, c'est parce qu'en fait, elle a un mail dedans. Il dit à Wade Dessler, c'est quoi la logique de ça? Il dit parce que quand un homme, il a un mail, c'est-à-dire qu'il a son effèche dans la chose. C'est-à-dire son mal transporte son effèche dans la chose. Et comme maintenant, je me vois dans la chose, j'ai mon effèche dans cette chose-là, automatiquement, et que Adam, au Evetasmo, donc c'est pour ça qu'il aime le bébé, parce qu'il se voit là-bas dedans. Donc ça veut dire que le sod pour aimer une chose, c'est mettre ton effèche dans la chose. Mettre ton effèche, c'est-à-dire à mettre dans la chose. Automatiquement, tu vas l'aimer. Tu ne mets pas ton effèche dans une chose, tu ne pourras pas l'aimer.
Quand c'est qu'un footballeur, il aime le foot, quand il met son effet dans la chose. S'il joue pour kiffer, il n'aimera pas. Il n'aimera pas. Il va juste kiffer. Mais ce kiff ne va pas l'amener à faire mission de nefesh. Genre, maintenant, il faut faire mission de nefesh pour marquer le but. Il faut qu'il court, il a piton, il a un point. Maintenant, si le bonhomme, il aime, il va se tuer, même s'il va tomber dans les pommes, il va s'évanouir, il va tomber dans le coma. Pourquoi? Parce qu'il aime. Mais s'il n'aime pas, il kiffe, qu'est-ce qu'il va dire? L'entraîneur, il va l'étrangler. Il dit, mais tu es fou, mais quoi tu fais? Pourquoi tu t'es pas battu? Il dit, oh, ça va, il va mourir, moi. Le but, je le marre, ça va, je kiffe. Là, je kiffais plus, là. C'était trop fatigant. Attends, tiens pas le foot, sors de là, c'est pas pour toi le foot. C'est pareil. Il faut aimer. Maintenant, la Torah nous dit comment on fait pour aimer. Trois conditions. Bechol levavra, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Il y a trois caps à passer pour arriver à aimer quelque chose. Parce que nous, on pensait, bon, c'est l'effort, d'accord, mais il faut que ce soit mugdar. Il faut qu'il y ait l'agdara des choses. C'est quoi l'agdara? Trois choses. Pourquoi ces trois? Parce que ces trois représentent, Rabotai, les trois points essentiels qui sont les domaines où l'homme a du mal. Bechol levavra, de tous tes désirs. C'est-à-dire que maintenant, tu as envie maintenant de regarder un film. Tu as envie de flâner. Voilà. Même par exemple, flâner. Fume un petit garrot comme ça. Tranquille. En ce moment, je fume un petit garrot. Maintenant, je dis non. Chaque série de mots. Faut étudier moi. Je vais être capable de prendre le garrot. Putain, j'ouvre mon commandant et je m'assois. Alors, je kiffe là. J'étais bien, j'étais assis comme ça, coulé. C'est pas un sourd, attention. Hein. C'est moutard. Je me détends. Moutard se détend, il ne faut pas. Attention, vous n'allez pas faire des divots dans ce que je dis. Hein. C'est moutard. Les khatri là. Moutard se détend. Hachim ne l'a pas donné. Il n'a pas créé des samouraïs dans le monde, comme chez les Chinois là-bas. On n'est pas des samouraïs. On vit les khatri là. La vie, elle est belle. Tout va très bien. Maintenant, comment dire, kiffe. Mais maintenant, tu dis, ouais, mais d'accord, c'est vrai, tu m'as dit que c'est moutard de kiffer. Mais comment je fais pour aimer la Torah? Ah, si tu veux aimer la Torah, c'est autre chose. Là, il faut que tu remises sur tes fèches. C'est à quoi? Maintenant, tu kiffes réellement. Ta petite loupe comme ça, tranquille, roulée. Tu dis, non, maintenant, c'est des règles. Je prends un cigare, je m'assois, je me mets là-bas. C'est-à-dire, j'ai fait mission sur tes fèches. Le matin, je dois me lever à la tefila. J'ai envie de dormir maintenant. Et c'est incroyable comment c'est d'Afka le matin où le sommeil il est le plus matoc. Là-bas, c'est du plaisir. C'est trop beau. C'est trop beau. Et maintenant, Piton Blabal à la rêve vient me dire, il gaber carrié, comme un lion, tu dois sortir du lit. Il dit, attends, oh, Habibi, mais tu te rends compte un peu, un lion, quand c'est qu'il saute? Parce qu'il voit une proie. Avoir une proie, il saute pour la proie. Mais un lion, il saute pas, sinon un lion, c'est le plus feignant des animaux. Vous avez vu un lion comme il est, il est toujours en train de bailler. En train de bailler, il fait rien. Vous savez qui c'est qui va à la chasse, normalement, c'est la lionne. C'est-à-dire, lui, c'est le lion, il est comme ça, toute la journée en train de bailler. La lionne, les pauvres, elles sortent comme ça, toute ça. Son poulailler à lui. Oui, il a plusieurs lions comme ça. Elles sortent à la chasse, elles attrapent un zèbre, elles amènent le zèbre, elles ne touchent pas. Il faut d'abord que lui, il mange. Donc elles lui mettent devant lui, il mange, et après ce qu'il reste, la lionne et les lionceaux. Maintenant, la païa, c'est quoi? C'est que le lion, comme ça, à un moment donné, on se demande pourquoi il s'appelle le roi des animaux. Parce que tu es le roi des camps, quoi, des animaux. Le roi des feignants, c'est le roi des animaux. Le roi de quoi? C'est les lions qui font tout. Alors il est obligé, pour garder le képi sur la tête, le képi de roi, ouais, il est obligé de montrer à un moment donné qui c'est le chef ici. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois de temps en temps, il sort à la chasse. Il sort à la chasse, il cherche mamash la chasse la plus compliquée. C'est-à-dire l'animal qui court le plus vite, et il lui donne de l'avance à tel point que normalement il ne peut pas le rattraper. Que même les lions ne pourraient pas le rattraper. Et lui, il prend ça comme enjeu. Mais pourquoi? Pour montrer qu'il est le roi. Il fait ça de temps en temps, et après il reste tranquille, ça il a repris sa couronne pour un mois. Mais dans un mois, il faut recommencer. Mais là, Habibi, ça va être très dur. Pourquoi ça va être très dur? Parce qu'il est feignant. Il est feignant. Et feignant, Rabotai, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant, Rabotai, qui dégage une énergie, mais qui une énergie, Rabotai, qui est mal à Méateva. Et c'est marqué là-bas que quand le lion, il va sortir, il va commencer sa chasse, il va se jeter là-bas comme un fauve qui est enragé pour pouvoir rattraper la proie. Comme ça, on te le montre tout le bel matin. Il gaber carré. On n'a pas pris n'importe quel animal. On n'a pas dit comme un chien, comme un harrier. C'est comme ça, tu dois te lever le matin. Pour ça, il faut misirut nefesh. Misirut nefesh, c'est-à-dire que si maintenant, il n'a rien à mis, moi j'ai nafka mina maintenant de me lever doucement ou de lever carré, la différence, ça va être quoi? Qu'avec ça, je vais aimer la tefila. Alors qu'avec ça,
je vais kiffer la tefila, mais je ne vais pas les mains. Pourquoi? Tu veux dire quelle différence? Parce que là, j'ai fait un mal pour la tefila, et comme j'ai mis mon effet dans la chose, à la fin de la tefila, je vais les mains. Alors que là-bas, hein, je vais la kiffer. C'est quoi la nafkamina de kiffer ou d'aimer? C'est qu'il y a des fois, je kiffe, des fois, je kiffe pas. Voilà, c'est ça kiffer. Kiffer, c'est des fois oui, des fois non. Des fois, j'aime, des fois, j'aime pas. Alors que aimer, c'est tout le temps. Mais pourquoi tu aimes tout le temps? Parce que j'ai fait Misirut Nefesh. Donc le Misirut Nefesh, Rabota, il donne une nafkamina à Tsuma qui t'amène à aimer la chose. Ça, c'est Bechol et Vavera. Pareil, je marche dans la rue maintenant. Maintenant, je vois une meuf. Ouais, un avion de chasse. Maintenant, mon réflexe, c'est quoi? Ben regarde! Sinon, à quoi ça sert, sinon, si tu ne regardes pas? C'est fait pour regarder. Elle ne s'est pas mis à poil pour que tu ne regardes pas. Sinon, elle serait bien habillée. Et là, c'est bien, comme ça, tu regardes. Donc, ça veut dire, regarde. Mais là, qu'est-ce qu'il dit à toi? Je t'interdis de regarder. Bon. Alors maintenant, tu as deux bonhommes. Tu as le bonhomme qui va faire Misirut Nefesh. C'est quoi Misirut Nefesh? J'ai envie de regarder, je baisse les yeux. Mais pourquoi je baisse les yeux? Parce que la Torah m'interdit. Pas parce que je n'ai pas envie de regarder. J'ai envie de regarder. Mais la Torah m'interdit, je baisse les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aimer ça. Je vais aimer Shemirat Enayim. Sinon, tu vas kiffer. Mais tu ne vas pas aimer. C'est quoi la différence? La différence, c'est que des fois oui, des fois non. Ça, c'est quand on kiffe. Mais quand on aime, c'est tout le temps. C'est je vais aimer cet exercice de baisser les yeux. Je vais aimer cet exercice de marcher des Shemirat Enayim. Mais pourquoi tu vas aimer? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'aimer là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'aimer là-dedans? Je comprends pas. C'est le contraire du teva de l'homme. Le teva de l'homme, c'est aimer, c'est regarder. Et maintenant, tu es en train de me dire qu'il va aimer de ne pas regarder. Je comprends pas ce chat là. C'est quoi d'aimer de ne pas regarder? Non. Il n'y a pas, on n'aime pas ce qu'on ne regarde pas. C'est pas ça d'aimer. C'est le misirot nefesh qu'à là-bas que j'aime. Le hamal que je fais ici, c'est ça qui me rend amoureux de ça. C'est pas une famille là pour moi de regarder par. C'est etsem que j'ai un misirot nefesh ici. C'est, automatiquement, j'aime ces choses-là. Incroyable. C'est-à-dire que le saut d'Abota pour aimer toute chose dans la Torah, hein, c'est le Misirut Nefesh, il n'y a pas d'autre. Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha. Même si tu dois, Inachilami, donner ton Nefesh pour ça. Être prêt à mourir pour Hachem. Être prêt à mourir pour la Torah, Abota. Ça, c'est ça, avec ça qu'on arrive à l'amour. Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Je donne tout mon argent pour Hachem. Je travaille dans un boulot, et dans ce boulot-là, hein, malheureusement, je suis obligé de parler à la Shonara. Je suis obligé d'être Mehal Shabbat. Je suis obligé de ne pas respecter les règles de Sniout ou les règles de Yehoud. Toutes sortes de problèmes que je peux rencontrer dans mon travail. Bechol Meodecha. On te dit quoi? Démission. Mais je suis en train. Démission. Parce que c'est comme ça que tu vas aimer la Torah. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas aimer la Torah sans ça? En faisant simplement des arrangements à l'amiable. Des arrangements à l'amiable. Quatre forces majeures. Ce n'est pas toujours qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Ok, c'est comme ça, tu vas y kiffer ta Torah, mais tu ne vas pas l'aimer. C'est Atsum, mon bonheur. C'est le Hevdel, il est Atsum. Maintenant, on va comprendre pourquoi Israq aimait Esav. C'est marqué qu'il aimait. C'est pas moi qui le kiffais, c'est moi qui l'aimais. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, il devait se donner à fond pour lui. Il devait faire du Hamal pour lui. Du Hamal pour essayer de le mettre sur le droit chemin. Et c'est pour ça qu'il aimait Esav. Alors que Rivka, non. C'est pas attaché à Yaakov, elle s'est attachée à Esav, elle s'est attachée à Yaakov. Elle s'est attachée à Yaakov, et elle se donnait corps et âme pour Yaakov. D'être là, comme une femme, pour lui préparer à le manger, pour le faire tout. Elle aussi du Hamal, mais du Hamal pas sur la même chose. Et là, il vient nous apprendre la Torah, la chose suivante. Que le sod pour arriver à Botaï, à aimer quelqu'un comme Esav, c'est pas qu'on aime le rachat, c'est pas qu'on aime les Massim Rahim qu'il fait. C'est pas ça. C'est qu'on aime à Botaï la bataille qu'il y a là-bas. Parce que ce bonhomme, si tu arrives à le sortir de sa bataille, ça va devenir Rabotai, un mal à Hachem Sebakot. Ça va devenir. Et c'est ce que Israël voulait ici. Pastam, il voulait donner les Balchot. Il voulait donner les Balchot, pourquoi? Pashut, pour le sauver. Pour sortir de lui, Rabotai, une grande Neshama. Bon, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Mais en tout cas, c'est ça. Maintenant, c'est quoi la Nafkamina de toute cette histoire? C'est qu'en fin de compte, on te donne une Nafkamina Atsuma. Qui dit le Chovot à l'Evavot. Si moi, maintenant, dans la vie, j'ai à choisir Rabotai entre le chemin, qui est le chemin de Esav, c'est-à-dire Sourmera, ou bien j'ai à choisir entre le chemin de Asetov. C'est-à-dire que j'ai la possibilité maintenant de mener une vie que Bechol, où je ne me mets pas à l'épreuve. C'est-à-dire que je me protège des épreuves. C'est-à-dire quoi? Je reste à l'Eshiva, je ne sors pas trop dehors, parce que dehors il y a trop de tentations. Je me protège quoi? Yoshev ou Alim. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ou bien non, il faut sortir et faire attention à tes yeux et travailler.
Parce que d'après ce qu'on a expliqué, c'est avec ça que tu vas arriver à aimer Hachem. Tu ne vas pas l'aimer en restant au Bita Midrash. Au Bita Midrash, tu vas peut-être aimer autre chose, tu vas peut-être aimer le Amal HaTorah, des choses, il y aura d'autres choses là-bas. Il y a plein de choses que tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas arriver à ça, Rabotai. Ici, la Torah va nous apprendre la chose suivante. Elle va nous apprendre la Torah ici, Rabotai, qu'en fin de compte, le choix que je dois faire, c'est quoi? C'est de comprendre, Rabotai, que si je dois faire un choix entre le chemin de Esav et le chemin de Yaakov, même si le chemin de Esav est le chemin, effectivement, où tu vas mener la guerre, et là-bas, tu pourras arriver à un amour assoum. Mais sauf ça, c'est un chemin dangereux. Il est misoukan, ce chemin. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire attention de toujours chercher Darka Harina, un autre chemin. Le chemin le plus tranquille, le plus paisible et le plus facile possible dans la vie. C'est Atsum, c'est ce qui ressort d'ici en montagne. Parce qu'en fin de compte, celui qu'on a retenu, c'est Yaakov Avinu. Comme il a dit à Esav, Gam Baruchi. Hachem a montré que c'est à lui qu'il faut donner le barakot. Donc c'est-à-dire qu'on montre ici à Rabotai que sauf, malgré qu'effectivement que le chemin de Esav est un chemin que si jamais tu arrives, il peut t'amener à un amour infini envers Hachem. Parce que là-bas, ça va être une bataille, ça va être une milhama souma. Mais il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Et comme il y a trop de risques, il vaut mieux que tu sois Ishtam Yoshev Ali. Ah, mais j'aurai moins de mérite. Elle, moins de mérite. Comme une fois, il est venu voir le Gaon de Vilna. Il dit, Kvodra, je peux vous faire une remarque? Il dit, fais ta remarque. Il dit, c'est une chokma de rester enfermé comme ça dans votre maison du matin au soir. Le Gaon de Vilna, c'est connu. Il a passé sa vie enfermé dans une maison. Et il dit, je suis à toi là-bas du matin au soir. Il dit, c'est une chokma. Vous croyez que c'est avec ça qu'on va vous mettre la médaille? C'est en étant dehors. Le combat, avec les épreuves, c'est comme ça qu'on arrive. C'est ce qu'il répond le Gaon. Il a dit, Alvaï, que ce soit ça le din de Hejbon, comme on me demandait après 120 ans. Pourquoi je ne me suis pas mis à l'épreuve? Je suis prêt à ça. C'est ce qu'on apprend ici. Les Maasés, si tu as le choix entre mettre à l'épreuve et pas mettre à l'épreuve, ne te mets pas à l'épreuve. C'est vrai que tu as tout à gagner en te mettant à l'épreuve. Mais, Haz Shalom, tu peux perdre. Donc, quelle est la naga? Ne te mets pas à l'épreuve. Atikanes le Nisayo. Yeah, yeah.